Ich habe, ich werde ihn mich darauf beschränken, die 5 Sachen, die ich gelernt habe in den letzten 7 Jahren als BSV-Direktor, nicht zuletzt dank dem Projekt und vom Assistenzbudget. Je vais me borner à 5 remarques sur les 5 conclusions importantes que je peux tirer de ces 7 ans passés à l'OFAS. Si vous permettez, je vais le dire en français et en allemand, afin d'être compris de tout le monde. Le premier, c'est la puissance des structures. Je n'aurais jamais cru à quel point, lorsque l'on met des structures en place, des institutions, des flux financiers, même avec la meilleure volonté du monde, il est extrêmement difficile de procéder ensuite aux corrections nécessaires lorsqu'on s'aperçoit que ces structures, finalement, ne poursuivent plus le but qu'elles devaient poursuivre au début, mais qu'elles ne poursuivent plus que leur propre maintien et leur propre entretien. Also diese Macht der Strukturen ist etwas, das ich gelernt habe. Wenn man Strukturen schafft, Institutionen, Finanzflüsse, auch mit dem besten Willen, den besten Zielen der Welt, führt es auch dazu, dass diese Strukturen und Institutionen dann die eigene Macht haben. Und das Selbsterhalten, das Selbstfördern, weil es dann mit direkten, konkreten Interessen verbunden wird, wird dann ein Ziel für sich. Und das ist eine große Gefahr. Und obwohl ich in einer dieser Strukturen arbeite, muss ich sagen, das ist etwas, das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und Sie haben es auch am eigenen Leibe erlebt. Eine deuxième remarque concerne, c'est un peu en lien avec cette problématique des structures, les jeux de pouvoir. Je crois que tout le monde dans notre travail, nous travaillons pour un idéal quelconque. Il y a quelque chose que nous essayons d'atteindre, mais nous travaillons aussi avec d'autres personnes, d'autres organisations, d'autres institutions. Et nécessairement, ce jeu des institutions conduit à un jeu de pouvoir. C'est le cas dans l'administration fédérale, et c'est aussi le cas, comme ça m'a étonné, j'étais un peu naïf, je pense, au début, entre les organisations pour invalides. Au-delà de l'objectif qui théoriquement devait être le même pour tout le monde, fréquemment, ces jeux de pouvoir, le fait de se mettre en avant, le rôle, l'impact qu'on peut avoir sur la récolte de fonds, ou l'impact politique qu'on peut obtenir, souvent aussi prennent le devant sur les objectifs que l'on est censé poursuivre. Also diese Machtspiele, die habe ich natürlich in der Verwaltung erlebt, selbstverständlich, aber auch mit dem eigenen Erstaunen am Anfang, auch unter den Organisationen. Dass eigentlich man sich nicht fragt, wozu arbeiten wir und sollen wir es nicht gemeinsam machen, sondern entscheidend ist, wer wird es schaffen und dass manchmal eher ein Interesse hat, dass jemand etwas nicht schafft, als dass man es gemeinsam schafft. Meine dritte Feststellung ist die Rede über die Behinderung, le discours sur le handicap. Ich sehe zwei Gefahren. Die erste ist die Haltung, wonach Behinderung ist eine Kultur. Es wird immer behauptet, ich verstehe auch warum, wenn man sich abgegrenzt fühlt, zieht man sich zurück mit Gleichgesinnten oder Gleichbetroffenen und es wird daraus eine Kultur behauptet. Es ist für mich die Reaktion auf die Abgrenzung durch den Rest der Gesellschaft. Es ist aber eine sehr gefährliche Haltung. Die Behinderung ist keine Kultur. Die Kultur ist eine gemeinsame unter den Bürgern dieses Landes. Das ist unsere Kultur. Die Behinderung ist ein Leiden, aber keine Kultur. Donc cet argument qui est un peu à la mode, que j'entends souvent, le handicap est une culture, on parle de la culture des aveugles, la culture des sourds, etc. Je me rends bien compte qu'il procède aussi de bonnes intentions, mais je crois qu'il est plutôt le résultat d'un sentiment de mise à l'écart. Et ce sentiment de mise à l'écart fait que l'on se dit, nous vivons finalement dans une culture qui est aussi bonne que celle des autres, mais je crois que c'est une erreur. L'erreur qui est commise, c'est la mise à l'écart. Mais le handicap n'est pas et ne sera jamais une culture. Une culture, c'est un choix. Le handicap n'est pas une culture, le handicap est toujours une souffrance. Die zweite gefährliche Entwicklung sehe ich in der Behauptung, wir sind alle behindert. Es gab eine große Werbekampagne einer Organisation, und da standen behinderte Kinder und es war die Rede von gebrochenen Träumen. Weil ich behindert bin, kann ich meine Träume nicht erleben. Das ist natürlich sehr nett zu sagen, weil wir alle Träume haben, die wir nicht erfüllt haben. Ich wollte nicht Beamten werden, ich hatte andere Träume, wenn ich jung war. Das macht mich aber nicht behindert. Also wenn man behauptet, Behinderung sei nur, dass man den Traum nicht erleben kann, das ist falsch. Und das führt zu dieser Schlussfolgerung, wir sind alle ja irgendwie behindert. Selbstverständlich, wir sterben alle einmal. Aber das hat nichts damit zu tun. Die Behinderung in der Gesellschaft heute ist etwas anderes.
Und diese Art, über die Behinderung zu sprechen, finde ich genauso gefährlich wie die erste. Donc cet argument qui est rentré un petit peu dans les mœurs, c'est-à-dire que nous sommes tous un peu handicapés. Parce qu'on a tous des rêves qu'on ne peut pas accomplir, on a tous des limites dans notre propre corps ou dans notre esprit, ne serait-ce que le fait que l'on va mourir un jour. Cela, je crois que c'est extrêmement dangereux. Parce que si tout le monde est un petit peu handicapé, alors le handicap n'a plus aucun sens. Et ce n'est pas une question d'égalité et de dignité. L'égalité de dignité, ce n'est pas la négation du handicap, c'est une égalité de dignité avec le handicap. Le handicap peut me faire tout. Il peut m'affliger des souffrances, abîmer mon cœur, mon esprit, mais il ne peut jamais m'enlever ma dignité. Et ce discours selon lequel nous sommes tous un peu handicapés, je ne vous le cache pas, c'est un discours qui m'énerve et qui mérite profondément. La quatrième conclusion, j'en ai plus que deux, j'arrive au bout. Hein. La quatrième conclusion, c'est le décalage entre le discours et la réalité. Cette égalité de dignité, qui est inscrite dans la Constitution, qui est rappelée dans tous les discours du 1er août, etc., si vous considérez l'évolution de notre société, cette égalité de dignité n'est absolument pas vécue. Je vous donnerai un seul exemple, je m'occupais du dossier de l'assistance organisée au suicide, et je parlais avec une personne d'Exit, en Suisse allemande, qui me disait « Mais monsieur Rossier, nous ne tenons pas, nous ne permettons pas, nous n'aidons pas tout le monde à se suicider. Seulement les gens qui sont gravement malades ou qui sont handicapés. » Et j'ai demandé alors à ce monsieur, à partir de quel moment, puisque ce monsieur fait le tri, puisque des fois il accepte, des fois il refuse la demande de suicide, je lui ai demandé à partir de quel handicap il estimait que la vie ne valait pas la peine d'être vécue pour la personne et qu'il pouvait le faire. Ce que me disait ce monsieur, c'est que si moi j'allais chez lui pour lui demander de m'aider à suicider, il n'allait pas le faire. En revanche, si j'allais chez lui dans une chaise roulante, j'avais une chance qu'il m'aide à me suicider. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas le respect de l'autodétermination. C'est la distinction entre les vies qui valent la peine d'être vécues et les autres. Et je m'étonne que de la part des organisations pour invalides, sur ces questions-là, alors que ce sont des choses qui se font aujourd'hui en Suisse, que ce soit l'aide au suicide, le diagnostic prénatal, je m'étonne parfois, je vous l'avoue, de votre silence. Diese gleiche Würde, die wir haben sollen, ist meines Erachtens gravierend, auf gravierender Weise in Frage gestellt durch die gesellschaftlichen Entwicklung, die wir in der Schweiz haben. Und wo ich mich immer staune, warum die Organisationen sich nicht mal etwas dazu sagen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ich sprach mit einer Person von Exit Schweiz über den Zugang zur Beihilfe zum Suizid. Und die Person sagte mir, aber Herr Rossier, wir machen es nicht für alle. Ah nein, für wen? Nur wenn eine Person eine gravierende Krankheit hat oder eine schwere Behinderung. Was bedeutet das, wenn diese Person das sagt? Das bedeutet einfach, dass für diese Person es gibt würdige Leben und unwürdige Leben. Die Ersten, da wir diese Person es nicht zulassen, ihnen nicht den Gift geben, dagegen bei anderen, und ich fragte nach der Grad der Schwere, ob Exit eine Liste von Behinderungen hat, je nachdem, ob man Ja sagt oder Nein, und da wurde meine Frage entwichen. Da sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die mir wirklich Sorgen machen. Und dort würde ich mich manchmal erhoffen, ein bisschen mehr von den Organisationen zu hören für solche Sachen als über andere Themen, über die meisten sich immer mobil machen. Und schließlich, das ist jetzt die letzte Schlussfolgerung, wenn man etwas erreichen will, muss man nicht warten, bis jemand es uns gibt. Wenn man Recht hat, muss man es holen. Das habe ich auch in der Bundesverwaltung gelernt. Ein Kollege Direktor sagte mir einmal, Yves, du bist so mühsam, wenn du das nicht bekommst, was du willst, dass man es dir lieber sofort gibt. Ich glaube, das ist eine Lektion, die Sie auch gelernt haben, die Frau Kanka auch gelernt hat und auch in die Praxis umgesetzt hat. Das ist natürlich sehr wichtig. Natürlich, Sie müssen Recht haben und Sie müssen nicht erwarten, dass man mit Ihnen immer einverstanden ist. Aber Sie müssen trotzdem nicht nachgeben. Et ma cinquième conclusion, c'est que si vous voulez obtenir quelque chose qui est juste, alors n'attendez pas qu'on vous le donne, vous allez le chercher vous-même. Vous devez l'exiger, vous devez le demander, vous ne devez pas attendre que tout le monde soit d'accord avec vous, vous ne devez pas être choqué si tout le monde n'accepte pas l'intégralité de vos exigences, mais vous ne devez pas les abandonner. Puis ça, vous le savez, c'est ce que vous avez fait, malgré toutes les oppositions de tous les côtés possibles à ce projet. Et je crois que ça, c'est une conclusion importante, d'une manière générale, pour la vie de tout le monde, qu'il soit handicapé ou pas. Voilà, ich werde Ihnen nicht danken, weil Sie eigentlich mir nichts schulden und Sie haben das gemacht, was Sie für richtig halten. Ich werde Sie auch nicht gratulieren, weil an Ihrer Stelle hätte ich das Gleiche wie Sie gemacht.
Ich sage Ihnen, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin froh, dass es jetzt endlich startet und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.